Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nous allons capter, inshallah, pour le nouveau gouvernement en France. Donc, le président Emmanuel Macron a changé le premier ministre et a changé tout le gouvernement. Bon, nous n'avons pas une raison particulière de penser que c'est satanique ou qu'il y a quoi que soit de mauvais, mais nous allons capter et, inshallah, nous allons voir ce qu'on va trouver. Et le but, c'est de nettoyer au maximum la politique pour que ce qui s'en sort soit positif. Alors, nous avons capté pour les élections présidentielles précédentes, beaucoup avant les élections, et subhanallah, il s'est fait que tous les anciens politiciens sont partis. Les deux grands partis, PS et la droite. Et puis voilà, on a eu beaucoup de nouvelles figures, des gens, beaucoup de gens qui n'ont jamais fait de politique de leur vie. Bon, ça ne veut pas dire que c'est des anges, mais en tout cas, voilà, ça a été comme ça. Et maintenant, on va voir. Alors, on va lire un peu la présentation du nouveau gouvernement. Voici déjà le premier conseil des ministres qui est réuni. Je ne sais pas si vous reconnaissez des têtes, mais en tout cas, ça c'est la première chose. Et maintenant, je vous lis. Le gouvernement de Jean Castex, donc le nouveau Premier ministre, s'est réuni pour la première fois ce mardi après-midi. Nous sommes aujourd'hui mercredi, donc c'était hier. Nous sommes le 8 juillet. Après-midi à l'Élysée, après les passations de pouvoir dans les ministères, 31 ministres et ministres délégués ont été nommés, dont les deux tiers figuraient dans la précédente équipe. Bon, donc un tiers de changer, puis deux tiers d'anciens. C'est un gouvernement de combat, a proclamé le président Macron au début de ce premier conseil des ministres. Emmanuel Macron l'a surnommé devant les ministres le gouvernement des 600 jours. 600 jours, le temps qui reste avant la prochaine élection présidentielle. Bon, la remarque que moi je peux faire, c'est que le premier gouvernement, quand Macron est devenu président, il y a eu plusieurs changements de ministres. Bon, parce que tout était nouveau, le parti était nouveau, il y a eu des changements. Donc, il semble que ces gens-là soient désignés pour toute la période jusqu'à la fin du quinquennat. Mais bon, les choses peuvent toujours changer. En tout cas, c'est la preuve qu'Emmanuel Macron a opéré ce changement en ayant dans ligne de mire 2022, la présidentielle. Le nouveau Premier ministre Jean Castex, pour son baptême de feu, a promis un changement de méthode profond. Son précédent appréciera. Il s'agit de mieux associer les corps intermédiaires, notamment les partenaires sociaux, qui se sont sentis mal considérés par la précédente équipe. Bien sûr, puisqu'il y a eu les gilets jaunes, etc., parce que la population et ceux qui représentent les populations se sont sentis, n'étaient pas d'accord et ne se sont pas sentis entendus. Alors, la Convention citoyenne pour le climat, qui a associé 150 citoyens de tous horizons, est amenée à être reproduite sur d'autres thématiques. Voilà, donc plus de participation citoyenne. Parmi les priorités fixées, la reconstruction économique, alors que la croissance s'est effondrée lors du confinement, mais aussi le patriotisme républicain. Expression nouvelle du chef de l'État qui a déploré les attaques contre la police et la justice. Bon. C'est la confirmation que ce gouvernement entend, plus que le précédent, incarner l'ordre. Ce qui explique aussi la nomination d'un ancien proche de Nicolas Sarkozy au ministère de l'Intérieur, qui est Gérald Darmanin. Alors, à Matignon, Jean Castex, à l'Intérieur, Gérald Darmanin, à la Culture, Roselyne Bachelot. Trois figures du nouveau gouvernement qui ont un point commun, elles ont travaillé toutes les trois avec l'ancien président Nicolas Sarkozy. Deux ministres de poids issus de la droite sortent aussi renforcés avec des périmètres élargis. Bruno Le Maire à l'économie et Jean-Michel Blanquer à l'éducation. Pour le chef de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, entendu, Emmanuel Macron veut être le nouveau chef de la droite. Une idée que conteste le nouveau porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. Donc, moi, je considère qu'il faut regarder les gens pour ce qu'ils font et non pas pour ce qu'ils sont ou ce qu'ils ont été. Bon,
hein, dit on partage les mêmes objectifs, les mêmes rangs de la priorité. L'idée du dépassement macronien toujours là, assure-t-on du côté de l'Élysée. Pour preuve, ça veut dire on a dépassé le clivage droite-gauche. Les ministres titulaires des portefeuilles qui arrivent en premier dans l'ordre protocolaire, les affaires étrangères et l'écologie, sont issus des rangs de la gauche. Jean-Yves Le Drian et Barbara Pompili. Bon. Je ne sais pas si c'est une preuve, mais en tout cas, une maigre consolation au regard du poids politique des ministres issus de la droite, estime une partie de la Macronie pour qui la promesse présidentielle du en même temps a plus que jamais du plomb dans l'aile. Bon, en tout cas, voilà. Alors, quand même, pour finir les photos, on ne saurait parler de politique française sans évoquer Marine Le Pen. Elle est incontournable, le parti d'extrême droite est très fort, recueille beaucoup de. Et puis, on va quand même aussi capter, quand même, pour le Édouard Philippe, le partant. Voilà, on y va. Bidnillah tabaraka wa ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مولى الغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مولى الغير الله به حرمت عليكم أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مولى الغير الله به الله نور السماوات والأرض 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 أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أين حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مهل الغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مهل الغير الله به برأت من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك الله نور السماوات والأرض 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 C'est bon? Alors, qu'est-ce qu'il y a avec ce gouvernement, avec ces personnalités? Mais tu es devenu musulman? Mais tu faisais quoi avant de venir? De la débauche? Et tu J'étais t'occupes là pour débaucher les gens. En France ou bien partout? En France principalement. Principalement en France. Mais qui t'a demandé de faire ça? Je travaille pour Shaitan. Pour Shaitan? D'accord. Et ce gouvernement, ça fait les affaires de Shaitan ou pas? Oui? Ah, dans l'éducation. La culture.
et la culture, Roselyne Bachelot. Tu étais là pour les influencer. Oui. D'accord. Est-ce que leur choix était bon pour Iblis? Ou bien pas tellement? Les choix précédents. Les précédents. Non, de ceux que c'est des nouveaux là qui sont venus, du nouveau gouvernement. Dans quel domaine? Par rapport à ce que moi je suis. Alors, par rapport à toi, la débauche, oui. Oui. Il y a des choses qui l'intéressent. D'accord. Mais ils n'ont pas été choisis par rapport à vous. Non, pas du tout. Ils ne savent même pas vraiment quoi nous sommes là. D'accord. Bah, donc, il y a les djinns de la débauche. Enfin, oui. Pas tous. Hein. Certains nous appellent. Certains nous connaissent et nous appellent. Certains vous connaissent, vous appellent. Oui. Travaillent avec vous. Oui. Alors, allons-y progressivement. Pour les djinns de la débauche, donc, vous essayez d'influencer le gouvernement pour qu'ils prennent des décisions qui vont faciliter la débauche dans le pays. Par exemple, les décisions que vous avez pu pousser le gouvernement à prendre, c'est quoi, par exemple, pour la débauche? Le cadre, c'est que les uns et les autres considèrent que tout est toujours permis. Oui. Sans offense, oui. Sans sanction, toujours. Et dans la débauche, l'alcool. Oui. Oui, une de vos actions, oui. Ils ont tenté de vouloir interdire l'alcool. Et pendant la période de confinement, ouais. Ah, d'accord. Nous sommes intervenus pour leur suggérer fortement que c'était une mauvaise idée que les gens allaient se rebeller. D'accord. Ça, c'était notre part. Il y en a. Les gens s'alcoolisent plus et plus. D'accord. Par inactivité. Et de là. D'autres choses qui sont en cascade et en cascade et en cascade. Oui, à cause de l'alcool, d'autres péchés vont se produire. Exactement. D'accord. Donc ça, c'est les djinns de la débauche. Il y a d'autres catégories parmi vous? Oui, salam. Voilà, salam. Je suis en finance. Ah, toi, tu occupes des finances. Oui. Et ta mission est de faire quoi? Comme quoi? Les fonds publics. Ouais. Et je suis là pour donner des mouvements, des directions et faciliter des projets plutôt que d'autres. Je fais partie de ceux qui ont été appelés. Donc tu fais détourner les fonds publics, tu fais produire de la richesse illégale et tu encourages certains projets plutôt que d'autres. Exactement. Est-ce que tu es sur un projet maintenant que tu veux encourager ou des projets que tu veux décourager? Mais d'accord, mais c'est quel projet actuellement que tu essayes de faire passer? On est sur les impôts. Les impôts? Oui. Et toi, tu essaies quoi? D'augmenter ou de changer ou de quoi? De favoriser certaines populations au détriment d'autres. Ah, tu essaies de... qui nous sollicite. Qui vous sollicite? Mais c'est qui? C'est les riches ou c'est les grandes fortunes ou c'est qui? En grande partie. D'accord. Cela vous sollicite pour que... L'ISF, ouais. Je suis dans l'ISF, moi. Toi, tu es dans l'ISF. Donc, les riches font appel à vous pour que le gouvernement ne leur prenne pas des impôts. Ne découvrent pas leur secret. Qu'ils découvrent pas où est-ce qu'ils ont caché leur argent. Ah, mais ça, c'est très intéressant. Allez, on va chercher tous les djinns qui essaient de cacher les fortunes de ceux qui cachent leur fortune. Hein? وكان حقا علينا نصر المؤمنين تكاد تميز من الغيظ فطوف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض. Ok, tous les collègues de la débauche partout sont venus ou pas? Oui. D'accord. Donc, alors, on a eu le groupe de la débauche, le groupe des finances, et il y a quel autre? L'insécurité. L'insécurité. Pour qu'il y ait des crimes et qu'il y ait des soulèvements? Entre autres choses, oui.
passionnés. Les gens verraient quelque chose qui les dépasse complètement. Donc pour les mettre dans la peur. Oui. Pour qu'après ils puissent. Dans l'incertitude. Et dans l'incertitude, les déstabiliser. Oui. Donc, voilà. Pour qu'après on puisse les manipuler. Exactement. Allez, on va chercher. Faciliter les stratégies ensuite. D'accord. On va chercher tous vos camarades qui font ça. وكان حقا علينا نصر المؤمنين تكاد تميز من الغيظ فأطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فأطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من الغير اللائبين حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من الغير اللائبين حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من الغير اللائبين حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من الغير اللائبين حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من الغير اللائبين حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من الغير اللائبين حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من الغير اللائبين حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من الغير اللائبين حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من الغير اللائبين الله النور السماوات والأرض الله النور السماوات والأرض الله النور السماوات والأرض الله النور C'est bon? Ça c'était pour l'insécurité. L'armée. L'armée? Les djinns de l'armée sont venus? Ouais. D'accord. Et vous faisiez quoi dans l'armée? Non, on essayait de préparer une guerre civile. En France? Ah d'accord, vous voulez... Oui. D'accord. Ça y est, vous êtes musulman? D'accord. Il y a d'autres groupes de djinns qui sont venus? Wa alaykoum salam wa rahmatoullah. Oui. De l'Élysée. La présidence. Alors, tu fais quoi là-bas? Tu faisais quoi? Je n'ai pas de... Mais tu es musulman maintenant. Oui. Tu as peur de quelque chose? Oui. De qui? وكان حقا علينا نصر المؤمنين 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 تكاد تميز من الغيظ تكاد تميز من الغيظ تكاد تميز من الغيظ C'est bon? Oui. Alors, j'étais oui. Avec les francs-maçons. Tu étais avec les francs-maçons. Et tu faisais quoi à l'Élysée? Je suis le gardien des portes sacrées. Des portes sacrées? Oui. C'est quoi les portes sacrées? Il y a des petites pièces qui sont des lieux de culte. Subhanallah, dans l'Élysée? Oui. Ouais? Et moi, je suis le gardien des portes. Et c'est pour qui ces petites pièces? C'est pour les initiés. Uniquement les initiés. D'accord. Personne d'autre ne doit connaître et savoir ce que nous faisons. Mais les présidents savent ou les présidents ne savent non, pas? Ils savent. Ah, tous les présidents savent. Tous. Donc tous les présidents sont des initiés. Il y a des clés. Des clés? Ils se passent les clés. D'accord. Donc ils savent. Ok. Et donc tu avais peur de qui? De mon ancien boss. D'accord. On va chercher ton ancien boss et tous les djinns qui ont en lien avec ces chambres secrètes dans l'Élysée, peut-être même à Matignon et dans les autres ministères. D'accord. وكان حقا علينا نصر المؤمنين تكاد تميز من الغيظ فطوف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فطوف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فطوف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فطوف عليها طائف من ربك وهم نائمون
الرحيمون حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مهلا لغير اللاعبين حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مهلا لغير اللاعبين حرمت عليكم الميتة أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مهلا لغير اللاعبين حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مهلا لغير اللاعبين حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مهلا لغير اللاعبين حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مهلا لغير اللاعبين حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مهلا لغير اللاعبين حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مهلا لغير اللاعبين حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مهلا لغير اللاعبين حرمت البراءة من الله ورسوله برأت من الله ورسوله للذين عاهدت من المشركين برأت من الله ورسوله للذين عاهدت من المشركين الله النور السماوات والأرض الله النور السماوات والأرض والله النور السماوات والأرض الله النور السماوات والأرض الله النور السماوات والأرض الله النور السماوات والأرض إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار 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 إن المنافقين حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مهلا لغير اللاعبين Oui, dis-moi, dis-nous. Il y avait les djinns là du porte-parole. Oui, oui. Le jeune porte-parole du gouvernement, oui. Qui ont montré comment, en fait, comment il l'inspire pour oui. écrire, tu vois. Et bon, il y a des auteurs qui écrivent aussi, mais pour mettre les idées que eux veulent dans le. C'est-à-dire, ils sont sous influence quand ils parlent. D'accord, ils influencent le porte-parole. Bah, l'équipe de la communication, oui. le porte-parole à la tête de la com, oui. tu vois, dans ce qu'il exprime par sa bouche, parce que c'était dans la bouche qu'ils étaient vraiment. Oui. Tu vois. Voilà, l'équipe de communication est sous influence des djinns, en fait. Et ces djinns-là, ils sont venus, en fait, avec. Il y a une équipe de voyants. Apparemment, alors une équipe de voyants en fait à la présidence qui ils consultent les voyants. D'accord. Aussi. Et ça c'est venu depuis les petites pièces là obscures de derrière. Ok. Bah en tout cas si c'est des francs-maçons qui ont des pratiques occultes, donc c'est normal qu'ils consultent les djinns en tout cas pour leurs affaires. Est-ce qu'il y a d'autres équipes de djinns qui sont là? Non, j'ai oublié quelqu'un, subhanallah, c'est maintenant que je m'en rappelle. Le nouveau ministre de la Justice, garde des Sceaux, maître Éric Dupont-Moretti. Alors, c'est quand même quelque chose de remarquable parce que c'était un des grands avocats de France. Il a été avocat pour le roi Mohamed VI, pour Maurice Kamto, l'opposant au Cameroun. Pour d'autres, ça et là, il a plusieurs affaires aussi en cours dans son cabinet d'avocat qui concernent l'Afrique. Voilà, bon, il dit qu'il ne prend pas les affaires qui sont juste pour l'argent, il faut que la cause aussi soit juste, bon ça. Donc, ça mérite aussi un captage. وكان حقا علينا نصر المؤمنين تكاد تميز من الغيظ فطوف عليها طائف من ربك وهم نار
قائم فأصبحت كالصريم فطوف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فطوف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فطوف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مولى لغير الله به الله النور السماوات والأرض الله النور السماوات والأرض C'est bon? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur Eric Dupont-Moretti? Il a reçu des petits cadeaux. D'Afrique, oui. Ah, d'Afrique. Il est venu avec des petits cadeaux. Ça veut dire quoi? Ils lui ont fait des gris-gris en Afrique pour, ouais. pour qu'il monte. Mais ça, c'était sa demande ou c'était juste les cadeaux de ses clients? Non, c'est pas ça. Expliquez-moi. Il y avait des petits problèmes avec les femmes. Et on l'a un petit peu aidé. Ah, d'accord. Donc, il a cherché un marabout qu'il a dépanné pour sa vie intime. C'est bon, ça, c'est son problème. Ça touche pas... Oui? Oui, mais nous, on est là. Vous êtes là? Et après? Et après? Oui, il a vu que ça marche? Oui. Donc, il a... Là, il a commencé à demander votre aide pour que ses affaires marchent. C'est ça. Bon, d'accord. Mais, bon. Et on est là, donc, et on l'aide bien, enfin. Vous l'aidez bien? Vous l'aidiez, oui, maintenant vous êtes musulman. D'accord, c'est vrai que si on est avocat, si on a des djinns aussi pour te donner les bonnes façons de plaider, peut-être que ça aide. Mais oui, et puis pour favoriser les rencontres aussi. Pour faciliter les rencontres. Oui. D'accord, alors on va parler d'un autre sujet. J'étais en France en décembre, nous avons fait une tournée. À ce moment-là, avant l'arrivée du coronavirus, ça n'était même pas arrivé en Chine, il y avait un climat d'islamophobie très fort en France. Il y avait eu un jugement, paraît-il, parce que d'autres disent qu'il n'y a pas eu ce jugement contre la pratique des ventouses, al-hijam, hein, et les musulmans, en tout cas, se sont passés le mot d'arrêter de faire les ventouses. Et il y a eu des rapports, des rencontres du ministre de l'Intérieur à l'époque et autres, qui était fier d'avoir fermé des écoles islamiques et qui était déterminé à fermer des commerces islamiques, etc. Et donc, vraiment, il y avait une pression très forte. Et, alhamdoulilah, si je puis dire, depuis le corona, tout ça, ça a disparu. Parce que maintenant, tout le monde est occupé avec le problème du corona, de l'économie, du chômage. Et il n'y a plus du tout l'idée de combattre les musulmans, hein, de combattre la pratique islamique, etc. Alors, on va voir s'il y a des djinns qui sont liés à ces affaires de combattre l'islam en France. Oui, il y en a. Ils sont venus? Non, mais je sais qu'ils sont là. Allez, on va les chercher. Okay. فطوف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فطوف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فطوف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فطوف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مهل لغير الله به أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مهل لغير الله به برأت من الله ورسوله للذين عاهدت من المشركين الله النور السماوات والأرض الله النور السماوات والأرض C'est bon? Alors qu'est-ce qui se passe pour l'islam en France? J'étais dans l'alimentaire
Tu étais dans l'alimentaire. Oui. Oui. On m'a fait venir pour casser l'islam. Et on m'a fait travailler dans les industries alimentaires. Oui. On met de la viande de porc dans la consommation des enfants dans les cantines pour que les petits musulmans, ils mangent quand même la viande, ils mangent le porc avec tout mélangé. D'accord. Et puis, d'autres qui sont venus aussi. Oui. Ont été missionnés pour mettre dans tous les restaurants collectifs de la fonction publique, des choses comme ça. Oui. Dans des plats où il n'y a pas de porc, mais de mettre de l'alcool dans les sauces pour diluer l'alcool sans que les gens sachent. D'accord. Et l'idée, c'est de pervertir le sang des musulmans. Mais qui vous a demandé de faire ça? Tu l'as cité tout à l'heure. C'est les francs-maçons. C'est ça? Avec Marine. Marine Le Pen? Oui. Elle a des délégations, un sous-marin pour pourrir les musulmans. Et nous en étions. D'accord. Et ce que le gouvernement faisait contre les ventouses, la pratique des ventouses contre les écoles islamiques, contre les commerces islamiques. Il y avait des djinns dans ça? Bien sûr. Ils sont là ou bien c'est comment? Oui, ils sont là. D'accord. Tu veux leur parler? Oui. Salam alaikum. Donc, à un moment, il y avait beaucoup de pression sur les écoles islamiques, sur l'interdiction des ventouses, sur d'autres choses, sur les réunions, les conférences. Oui. Vous avez participé dans ça. Oui. Et puis après, tout a changé avec le corona. Oui. Ou bien, qu'est-ce qui s'est passé? Le sommeil, c'est tout. Ah, tout ça, ça a été mis en sommeil. C'est tout. Mais vous n'avez pas vu de raison particulière pourquoi ça a été arrêté? Non. Même au contraire. Oui. Ceux qui sont là pour ça, ils aimeraient bien que ça avance plus vite. Tu parles des humains? Oui. Oui, les humains, ils voudraient que ça avance plus vite d'en finir avec l'islam bien en France. Sûr. Oui. D'accord. C'est pour ça qu'on est là. Oui, ils ont fait appel à vous. Oui. Ok. Alors, bon, ben, un dernier point, puisqu'on a fini avec tout ça. Et la propagation du corona en France, il y a encore des djinns qui le propagent? Non. Il n'y a plus. Plus besoin. Plus besoin? Non. Pourquoi? On a atteint les objectifs. Et quels étaient les objectifs? Un certain quota. Quota de mort? De mort et de contamination. Et de contamination. Oui. Il paraît que ceux qui ont été contaminés et puis qui sont guéris, ils vont garder des séquelles. Oui. Et c'est quoi les séquelles, d'après vous? Un affaiblissement de défense immunitaire. Oui. Et donc chacun, en fonction de sa fragilité, va tomber malade beaucoup plus facilement. Oui. Voilà. C'est tout? Bah, c'est quand même bien. Oui, effectivement. On a créé des branches, des failles multiples. Donc le virus va laisser des failles dans les défenses de la personne, oui. Et qui fait que plusieurs autres maladies peuvent l'atteindre. Des embranchements. Des embranchements qu'on a nous aidé. Oui, des sillons. Ok. Vous connaissez d'autres djinns mécréants qui travaillent pour le diable ou pour les sorciers en France? Oui. Allez, on va chercher tout ce qu'on peut. وكان حقا علينا نصر المؤمنين تكاد تميز من الغيظ أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير
حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مهلا لغير اللائبين حرمت عليكم الميتة والدم الخنزير مهلا الله نور السماوات والأرض Oui. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون الله نور السماوات والأرض 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 الله ظلمات بعضها فوق بعض 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 حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مهلا لغير اللائبين الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين تكاد تميز من الغيظ فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا Et voilà, c'était donc le captage pour le nouveau gouvernement et la nouvelle situation en France. Allah nous aide, vous avez entendu, les chayatines sont dans tous les coups, dans tous les domaines, pour égarer les gens, pour la débauche, la perversion, l'argent mal acquis, hein, et aussi pour éloigner les musulmans de l'islam, pour les empêcher de pratiquer, pour bloquer les activités islamiques. Donc on prie Allah tabaraka ta'ala que la conversion de tous ces djinns changera les choses positivement. Qu'Allah nous aide et nous guide. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.